Salut, salut, cher fidèle abonné de la chaîne. Cliquez pour gagner. Les cryptos à avoir pour faire un bon bull run. Oui, si tu n'as pas ces crypto-monnaies, tu ne pourras pas peut-être faire un bon bull run. Oui, un marché haussier. Et tu vas toujours te tenir la tête au moment où certains seront en train de sauter de joie. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir pourquoi tu dois avoir ces crypto-monnaies-là afin de sortir gagnant dans ce marché de la spéculation. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici sur Cliquer pour gagner. Alors, aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui essayait de toucher 69 000 dollars qui revient à 66 700 dollars au moment où je suis en train de faire cette vidéo pour toi. Et la question a été posée. Le Bitcoin va-t-elle continuer de monter de façon, voilà, linéaire? Non. Elle monte beaucoup, elle descend un peu. Mais dans le bear market, elle descend beaucoup, elle monte un peu. Donc ça prouve clairement que nous sommes, les signaux ont été donnés que nous sommes dans un marché haussier. Nous sommes en train de rentrer où nous sommes, oui, peut-être nous sommes en train où nous sommes déjà dans un marché haussier. Maintenant, c'est à chacun de décider selon son investissement, selon combien il a investi, dans quel projet il a investi pour savoir s'il est dans un marché baissier ou dans un marché haussier. Comme je l'ai dit, le marché haussier, c'est-à-dire le bull run, est particulièrement individuel pour chaque individu qui investira dans X ou Y projet, dépendant de la quantité ou le montant qu'il aura investi. Donc, c'est plusieurs facteurs qui sont en jeu. Alors, donc, c'est chaud, c'est chaud. On nous dit ceci, attention, cet article nous dit ceci. On dit simplement, les traders apostent contre le Bitcoin et perdent plus de 280 millions de dollars. Vous savez, on a ce qu'on appelle le trading futur aujourd'hui. Et presque un peu plus de 90 000 traders, 90 000 traders ont vu leur jour devenir obscur. Ils savent très bien ce que le risque qu'ils sont en train de courir. Et au moment où tu espères beaucoup, tu ne vois rien. Au moment où tu n'espères rien, tu vois beaucoup. Ils apostent contre quoi? Contre la chute du Bitcoin. Il y a beaucoup de personnes qui apostaient sur la descente du Bitcoin. Et réellement, le Bitcoin a quitté, comme vous êtes en train de le voir là, dans ces quelques jours-là. Et c'est quand, je crois bien, 68 000 dollars à 66 000 dollars. Et maintenant qu'ils ont commencé par poster sur la montée, le Bitcoin est en train de chuter. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, fais très attention aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ce n'est pas un domaine pour se faire de l'argent facilement. On écoute dans la bouche de plusieurs personnes, non, le domaine le plus facile pour se faire de l'argent aujourd'hui, c'est en crypto-monnaie. Mais ce n'est pas si facile que ça. Comment quelqu'un investit son argent dans quelque chose? Et quand il voit ces choses descendre, il va dire non, oh, non, ça ne fait rien, ça ne fait, non, non. Ça ne fera rien si et seulement si la personne sait le type d'argent qu'il aura mis dans les crypto-monnaies. C'est ça. D'accord? Alors donc, une autre information importante aussi, cette affaire de Breeze. Les Breeze annoncent une nouvelle blockchain sur laquelle serait basé leur système de paiement. Vous savez, on parle beaucoup, mais apparemment, on fait très peu des choses. On parle beaucoup, mais on fait très peu. C'est pourquoi aujourd'hui je dis simplement, oui, les BRICS, c'est bon. Les BRICS, les pays qui comportent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, où nous avons encore d'autres pays qui veulent adhérer, hein, bien sûr, d'autres pays qui veulent adhérer aux BRICS, hein, ils n'ont qu'à sincèrement arrêter de trop parler et commencer par faire, hein, des choses un peu plus concrètes. Oui. Oui, les BRICS vont faire ça. Les BRICS vont faire ça. Les BRICS vont faire ça. Mais jusqu'à maintenant, bon, zéro. Hein, oui, ils n'ont qu'à arrêter de parler et faire maintenant les choses de façon concrète. Oui, je crois bien que ça serait avantageux pour tout le monde. Alors, nous allons parler des crypto-monnaies à avoir. Attention, les crypto-monnaies à avoir pour bien ou pour bon manger dans le boulot rond. Parce que vous savez, le marché haussier va se faire face et malheureusement, arrivé à ce marché, vous allez voir que plusieurs personnes ne pourront pas en profiter. Et ça serait attristant et alarmant de voir que certaines personnes ne peuvent pas profiter à cause de ces petites erreurs qu'ils auront faites. Ou
ils devaient profiter au moment où ils doivent profiter, mais ils attendent. Les gars, s'il vous plaît, si vous n'avez pas ces crypto-monnaies-là, que je vais commencer par citer tout à l'heure, là, s'il te plaît, il faut commencer par les avoir. Et je vais te dire pourquoi tu dois les avoir. Je vais te dire pourquoi tu dois les avoir. Pourquoi réellement, toi, investisseur, tu dois avoir ces crypto-monnaies-là. D'abord, on va commencer d'abord par la cette monnaie-là. Hé, hey, pardon. Mon frère, ma soeur, il faut avoir cette monnaie-là. Tu connais bien cette monnaie, non? Tu vas me dire c'est trop cher. Je ne te dis pas, ce n'est pas un conseil d'investissement. Hein. Je ne te dis pas de courir pour acheter un Ethereum. Non, non, non. 3 600 $ au moment. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est d'avoir au moins une petite quantité de cette monnaie-là. Considérablement, un peu plus de $100, si tu peux. J'ai dit si tu peux. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi tu dois l'avoir. Vous savez, nous avons certaines crypto-monnaies, d'accord, qui sont basées sur cette blockchain-là. Et ces crypto-monnaies qui se basent sur cette blockchain-là sont des crypto-monnaies qui, souvent, nous sommes intéressés. Je donne juste un exemple. Les gens qui vont acheter les crypto-monnaies de l'écosystème de Shiba, c'est-à-dire le SHIB, le Bone, le Dog Killer, et on en passe. Toutes ces crypto-monnaies-là, du moins pour le moment, se retrouvent dans quelle blockchain? Dans la blockchain Ethereum. C'est vrai, il y a le Shiba BEP20, mais il n'y a pas le Bone BEP20. Il n'y a pas le Dog Killer BEP20. Donc, supposons que tu vas acheter le Dog Killer ou bien le Bone, hein, et supposons que tu achètes le Bone à 1 $ et tu le déposes dans ton trust wallet. Et au même moment, tu remarques que le bon est monté à 10 $. Tu veux maintenant envoyer ce bon-là sur les échangeurs, sur l'échangeur, pour le vendre à 10 $ parce que tu as fait x10. Je donne l'exemple. Tu as fait x10. Il faut obligatoirement Ethereum pour payer les frais de gaz. Tu comprends pourquoi je te dis que c'est important d'avoir ces crypto-monnaies-là. Si tu n'as pas ces crypto-monnaies-là, tu vas rater. Hein? Au moment où certains seront en train de danser, de sursauter, de montrer leur joie, toi tu seras en train de monter ta tristesse. Et pourquoi encore Ethereum? Vous savez, et nous sommes en train de voir que les ETF, hein, les ETF ont été demandés sur Ethereum, et qui va approuver les ETF? C'est la SEC américaine. Et cette même SEC américaine dit qu'elle n'est pas prête maintenant, qu'elle va repousser la demande des ETF sur Ethereum. Donc Ethereum, aujourd'hui, que nous sommes en train de voir, peut toutefois nous surprendre à tout moment. Elle est en train d'arriver presque à son ATH. Il reste encore combien? Presque, je crois bien, il reste 900 $. Oui, 900 $, si j'arrondis, 900 $ pour arriver à son ATH. Presque 900 $. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Elle pourrait toutefois arriver à son ATH. Donc, la première crypto-monnaie pour un crypto-investisseur qui ne veut pas rater son bull run ou bien qui ne veut pas avoir des surprises désagréables dans son bull run, c'est d'avoir un peu d'Ethereum. Parce que nous avons souvent des monnaies, des tokens qui sont dans la blockchain Ethereum. Alors, nous allons encore citer quelques-unes des monnaies et vous dire du pourquoi, comme nous l'avons fait avec Ethereum. Alors, mais d'ores et déjà, mon frère, ma soeur, je tiens à t'inviter à venir participer à l'un des grands événements. Oui, écoutez bien. Oui. Qui aura à Cotonou l'année passée. Cette fois-ci, elle aura lieu à Lomé, au Togo. Faites votre préinscription dès maintenant et restez à l'écoute pour ne rater aucune des informations importantes pouvant vous permettre de participer à cette nouvelle édition de la confraternisation. Ouais, j'étais moi-même présent avec toute l'équipe de Cliquer pour gagner. Vous voyez, avec toute, moi-même, j'étais au Bénin l'année passée et cette année, je serai au Togo. Et si tu veux réserver vite ta place, mon frère, c'est simple. Clique sur le deuxième lien en description de cette vidéo-là. Tu viens sur partie événement, confraternisation. Tu viens, j'achète mon ticket et tu remplis tes informations rapidement, simple comme bonjour. Tu remplis tes informations rapidement, ton nom, ton prénom, et ton email, ton pays, et voilà, ton numéro de Telegram. Et le mot de paiement, tu peux payer en franc CFA comme en USDT. Et tu soumets et automatiquement, tu recevras un mail de la part de notre équipe et tu solderas. Nous avons déjà un groupe déjà ouvert sur Telegram pour déjà, on a déjà plus d'une vingtaine de personnes.
Et dans les jours à venir, on va encore ajouter tous ceux qui seront disponibles ou tous ceux qui paieront les 100 dollars. Mais on a un prix de couple à 180 dollars. Donc, profitez de l'événement. Ce sont 5 000 et 110 000. Donc, mon frère, ma soeur, on t'attend pour l'événement qui marque vraiment que tu es un cryptophile passionné de l'écosystème pour découvrir encore bien d'autres choses. Deux jours d'événement, samedi et dimanche, le mois de juillet. La date est déjà fixée. On va communiquer ça aux gens qui ont déjà fait leur préinscription. Alors, je reviens après avoir parlé d'Ethereum. Nous allons maintenant parler d'une deuxième crypto-monnaie. Attention, cette crypto-monnaie, si tu ne l'as pas, pense à l'avoir. C'est quoi? C'est le BNB. Le BNB, mon frère, ma soeur. Tu vas me dire, non, Aristide, le BNB à 400 dollars. Non, 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 non. Mon frère, j'ai bel et bien dit en au début de cette vidéo, tu veux bien préparer ton boulourong. Tu veux bien préparer ton boulourong. Alors, pense d'ores et déjà à faire quoi? Pense d'ores et déjà à, en quelque sorte, avoir ces crypto-monnaies-là. Alors, pourquoi le BNB? Le BNB aujourd'hui, c'est la monnaie gaz. Hein? Là, quand on parle de monnaie gaz, la monnaie comme Ethereum qui te permet de payer les frais de transaction. Qui ici, je dis qui ici, n'a pas Baby Doge? Non, sérieux. Qui ici n'a pas Baby Doge? Cette monnaie-là, Baby Doge. Souvent, nous avons Baby Doge. Qui ici n'a pas Floki? Oui, qui ici n'a pas Floki? Alors donc, je prends l'exemple de Baby Doge et Floki. J'avais déjà pris l'exemple de Shiba bien. Alors, sûrement, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont Baby Doge. Je donne l'exemple, clairement, pour que tu puisses mieux me comprendre, parce que j'aime donner ces genres d'exemples. Supposons que tout à l'heure, tu as Baby Doge, tu as acheté quelques milliards de Baby Doge et tu as gardé ça dans ton trust wallet. Et on nous annonce tout à l'heure que Binance, Coinbase, Kraken listent Baby Doge. On nous annonce que Coinbase, Kraken listent ce même coin, Baby Doge. Directement, qu'est-ce que tu vas faire? Et Baby Doge, on va voir la plus de Baby Doge. Hein, juste pour, voilà, pour spéculer, pour te faire comprendre, hein, pour te faire comprendre ce que tu n'as pas encore compris. Et tu vas comprendre ça aujourd'hui. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Alors, on voit Baby Doge. Rapidement, on voit que Baby Doge a brûlé sur, je donne l'exemple, 2-0. On voit que Baby Doge a brûlé 2-0 de façon consécutive. Baby Doge n'a pas très bien, Baby Doge est en train de brûler 2-0. Et tu as Baby Doge dans ton trust wallet. Tu te dis, aïe, c'est maintenant le moment de manger vivant sur Baby Doge. Et tu l'as dans ton trust wallet, tu n'as pas le BNB. Parce que Baby Doge est sur la blockchain, le Baby Doge que tu as, c'est un BEPV. Et tu te dis, mais comment, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, mais c'est maintenant que tu vas courir. C'est maintenant que tu vas courir pour faire quoi? Pour aller acheter le BNB. Et au même moment, tu es en train de courir pour acheter le BNB. Au même moment, tu es en train de remarquer que le prix du Baby Doge, qui a brûlé 3-0, a commencé par chuter. Le prix a commencé par chuter. Mais celui là où tu as acheté le BNB, on te dit simplement que non, il y a une conjonction de réseau. Je donne un exemple, conjonction de réseau. Donc, les BNB, les transactions sont vraiment. Et voilà, lente. Et le prix est monté, tu as vu, mais tu ne peux pas vendre. Parce que tu n'as pas le BNB pour payer les frais de transaction. Je ne sais pas si tu comprends, hein, l'analogie de ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Aujourd'hui, le crypto-investisseur doit, en ayant certaines crypto-monnaies, tu es obligé d'avoir ces crypto-monnaies avant même d'avoir les autres crypto-monnaies. Je crois bien que tu es déjà en train de me comprendre. Ou bien tu ne me comprends pas encore. Tu vas me comprendre mieux encore, si tu te décides de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo. Et ce lien va te redirectionner vers cette page-là. Il y a déjà plus de 2200 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire-là. Ces personnes-là qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ces personnes-là qui se disent, vous savez, j'en ai marre, hein, de perdre de l'argent en crypto-monnaie. Avec nous, tu vas pas perdre de l'argent, mais tu vas comprendre comment tu es en train de perdre de l'argent. Tu veux comprendre comment tu es en train de perdre de l'argent? Parce que si tu comprends comment tu es en train de perdre de l'argent, alors tu comprendras ce que tu ne dois plus faire pour perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas en train de gagner de l'argent en crypto-monnaie et ils sont en train de perdre. Alors si toi réellement tu veux comprendre comment tu es en train de faire pour perdre de l'argent en crypto-monnaie, alors clique sur le premier lien sur la vidéo et là tu vas découvrir maintenant le pourquoi tu perds de l'argent et tu arrêteras de faire cela pour maintenant être gagnant. Alors, notre formation est toujours disponible. Cette formation qui est à 100 dollars, uniquement qu'à 100 dollars. Tu me dis 100 dollars, c'est trop cher pour moi. Non, 100 dollars va t'ouvrir les yeux.
va te préparer le mental, va te montrer les stratégies, va te montrer les secrets, afin d'être toujours gagnant, presque la majorité des cas, gagnant dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité, mon frère, ma soeur? C'est une opportunité en or que nous sommes en train de t'offrir. Alors saisis rapidement cette opportunité en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Le troisième lien en dessous de la vidéo, c'est le lien de notre channel. Attention, souvent YouTube n'envoie pas des notifications à nos abonnés, sûrement toi. Alors, si tu veux toujours avoir des notifications sans passer directement par YouTube, abonne-toi, clique sur le troisième lien en dessous de la vidéo. Tu vas voir le lien de notre channel. Le channel, cliquez pour gagner. Tu t'abonnes sur Telegram et directement, tu dis à YouTube. Maintenant, tu dis à YouTube. Maintenant, même si tu ne m'envoies pas de notification, je sais où avoir les informations en temps réel. Alors, je vais donner encore un troisième exemple. D'accord? Nous allons parler de la monnaie Solana. Oui, nous allons parler de la monnaie Solana. Solana, hein, l'une des crypto-monnaies aussi. Vous allez voir, c'est les coins seulement ici. Hein. L'une des crypto-monnaies que tu dois avoir, c'est Solana. Supposons que, je donne un exemple, supposons que le projet Bonk ou le projet WIF, hein, oui, ou quand j'ai commencé par parler du projet WIF, elle était à 0,3, 30 centavres. Aujourd'hui, elle est presque déjà à 1 dollar. Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui, en quelque sorte, n'a pas, en quelque sorte, le Solana pour déplacer, parce que c'est des tokens qui sont dans cette blockchain là, pour déplacer sa crypto-monnaie, il va faire comment? C'est pourquoi je t'ai dit et je te redis encore, mon frère, la même chose. Sois prudent pour bien, pour bien préparer ton bouleron, pour bien faire un bon bouleron, hein. Peut-être en cette année 2024-2025, il faut avoir quelques-unes de ces crypto-monnaies. Il faut obligatoirement et impérativement avoir ces crypto-monnaies. C'est pourquoi je vais continuer avec une autre stratégie. J'ai dit une autre stratégie, différente de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans notre groupe VIP. Tu veux être VIP? Suis-nous, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, remplis le formulaire, paie tes 100 dollars et tu vas voir les avantages que tu auras enfin de manger vivant. Vous voyez, les clients ne peuvent pas chuter. Moi, tant mieux, je m'en fous. Ça monte, ça chute. Moi, je prends pour moi. Et toi, tu prends pour toi ou bien tu attends qui pour prendre pour toi? Pense-y. Le mindset est très important. À la prochaine et ciao.